Ce matin, Yves Calvi, vous recevez Yann Kefelec, un écrivain qui défend les marins et leur mémoire. Bonjour Yann Kefelec. Bonjour Yves Calvi. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Il y a dix ans, jour pour jour, le Bougalet Brace sombrait au sud des Cornouailles anglaises. Cinq marins y ont perdu la vie. On ne connaît toujours pas officiellement les raisons de ce naufrage. Votre livre consacré à cette affaire est réédité avec de nouveaux éléments. Et vous avez décidé d'adresser une lettre ouverte au président de la République. Pourquoi Yann Kefelec alors, il y a un seul livre et deux regards dont on l'appelait de brez Il y a à la fois le regard de, de l'écrivain que, que je suis, du romancier que je suis, et il y a le dossier de Pascal Baudéret, journaliste, qui retrace de manière technique et clinique tout le dossier de de C'est le complément d'enquête. C'est le complément d'enquête euh, depuis le début. Alors pourquoi cette lettre au président de la République Parce qu'il y a deux pistes aujourd'hui qui sont, qui sont intéressantes. Ces deux pistes ont été explorées à l'initiative de l'expert Dominique Salle depuis août 2008. Dominique Salle a été nommé de manière officielle expert de l'investigation sous-marine depuis, depuis novembre 2009. Et il semble aujourd'hui qu'une piste passionnante et très juste, repérée par Dominique Salle, qui consisterait à pointer un éventuel sous-marin américain présent sur la zone le 15 janvier 2004. Jour du naufrage mérite d'être exploré. Mais je, je vais revenir sur ces éléments de l'enquête. Ma question, c'est en plus du livre, en plus de votre engagement connu autour de cette affaire, pourquoi s'adresser à François Hollande En fait, c'est qu'attendez-vous de lui Eh bien, on, on s'aperçoit que la justice, qui depuis, depuis le début de l'affaire essaye d'explorer une à une patiemment toutes les pistes concernant le Bugalet de Braise, est sur le point de refermer ce dossier. On voit se profiler un non-lieu, ce qui est terrifiant pour, pour les familles qui vont rester euh, en l'absence de, de vérité, dans une espèce de deuil jamais vraiment fait à propos du Bugalet de Brèze. On a le sentiment que seul le président de la République, François Hollande, d'une part, pourrait s'adresser à son homologue américain Barack Obama pour lui demander si bel et bien un, un de ses sous-marins était présent sur la zone le 15 janvier 2004, et d'autre part, parce qu'il est le seul peut-être à pouvoir faire entendre raison à la justice et permettre que ce non-lieu ne soit pas rendu. Donc votre inquiétude exacte en ce moment, c'est le fait que l'on puisse clore le dossier. Euh, rappelons ce que l'on sait des conditions du naufrage et qu'on rappelle très clairement dans, dans ce livre. Euh, on a calculé que le bogalet brace avait coulé en 57 secondes. Qu'est-ce que ça veut dire, Yann Keffel Ça veut dire que c'est un naufrage impensable, si j'ose dire, par les voies naturelles. Ça veut dire que ce navire a été tiré vers le fond à une vitesse euh, artificielle, qu'il ne pouvait qu'avoir été accroché par un sous-marin, ce qui fait que ce navire a implosé et qu'il a cette physionomie, cette physionomie très particulière lorsqu'on le voit ressorti de l'eau avec ses deux joues enfoncées sur l'étrave. Depuis le départ, on comprend bien que seul un submersible, une force exogène, a pu l'entraîner vers le fond. Simplement, on ne sait pas lequel. Et c'est précisément ce qu'on ne veut pas voir s'interrompre. Donc on a aujourd'hui la piste de deux sous-marins, soit l'un britannique, soit l'un américain dont vous venez de nous parler, qui est la nouvelle piste. C'est bien ça alors, le commandant du sous-marin HMS Turbulente, Andrew Coles, qui participait aux manœuvres de l'Ontane qui se déroulaient au moment du naufrage. Ça, c'est le sous-marin britannique. Sous-marin britannique, a eu un comportement extrêmement bizarre après le naufrage. Il a été rencontré par, euh, par Pascal Bodéré oui. il a été rencontré par Maître Tricot, l'un avo des avocats des, des familles. On a l'impression qu'à la fois, il a quelque chose à dire qu'il ne peut pas dire. La main sur le cœur, il déclare qu'il n'y est pour rien, mais on a vraiment le sentiment qu'il sait quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle on aimerait qu'il soit entendu dans un tribunal français. Vous dites que la justice n'a aucune envie de mettre les pieds dans des affaires de sous-marins européens ou américains. Pourquoi Qu'ont-ils à cacher et que ne veulent-ils pas découvrir On a l'impression qu'on est tenu presque. Oui, déjà, il faut savoir que lorsqu'on parle de sous-marins, on est dans le domaine de l'indicible. Jamais un sous-marin n'avoue sa position, jamais il ne, il ne raconte les manœuvres qu'il a faites. C'est une planète totalement mystérieuse et secrète et qui entend bien le rester. D'autre part, nous sommes liés par des accords diplomatiques extrêmement serrés avec, avec les États-Unis. Et on n'a pas non plus envie de fâcher les Américains en leur demandant de dire des choses qui pourraient les, les gêner aux entournures. On dit quoi Il y a des grands secrets nucléaires euh, euh, et finalement militaires qui font qu'à un moment, euh, les grandes démocraties se tiennent les unes les autres Il y a des accords diplomatiques, politiques, financiers. Il y a des aveux de faiblesse aussi de la part de certains États. Il y a une dépendance à l'égard des États-Unis. Et c'est dans tout ça, justement, que la justice peut être. Peine à rentrer, mais encore une fois, là, c'est de l'ordre de l'hypothèse. Donc, vous dites aujourd'hui à François Hollande, aidez-nous à, à pouvoir euh, savoir la vérité au nom de la mémoire de ces cinq hommes Mais dans quelques jours, le président, euh, le président François Hollande mmh. va rencontrer son homologue américain Barack Obama. On aimerait que les yeux dans les yeux, il lui demande ce qu'il en, de, qu en est réellement de la présence de ce sous-marin le 15 janvier 2004. D'autre part, Barack Obama est peut-être le seul à savoir si oui ou non il y avait sous-marin américain sur la zone, car seuls les services secrets euh, américains sont habilités à connaître la position d'un sous-marin. Même la Royal Navy n'en sait peut-être rien. Pourquoi vous êtes-vous tant attaché à cette affaire D'abord, je me suis attaché à cette affaire comme je suis, je suis attaché, pardon, à l'affaire des bonnets rouges parce que je suis proche des marins bretons, parce que je suis proche des paysans bretons, parce que je suis proche de cette Bretagne et parce que j'ai le sentiment que si je peux leur rendre service en faisant entendre ma voix, par exemple aujourd'hui, eh bien, je ne vais pas me gêner pour le faire. On a compris que les Bretons sont obstinés. Merci, Yann Kefelec. Merci, Yves Calvi. Vous lancez donc un appel. Hein, C'est une qualité, bien entendu. Appel au président de la République dans l'affaire du bougalet Bresse. Euh, on l'appelait Bougalet-Brès. Réédité aux éditions du rocher de l'archipel avec l'enquête complémentaire de Pascal Bodéré. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci Yann Kefelec d'être venu sur RTL ce matin défendre donc votre Bretagne et les marins qui vous sont chers. Merci, va à demain. À demain, Laurent.